clap. Eh bien, bonjour. C'est horrible comme intro. Mais... Voilà, bah c'est bien, parce que comme ça on sait que t'es là. Donc il y a Chris. On serre la main, Chris. Hein? Ouais, grave. Bah non, c'est ta main gauche, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, vous voyez pas, mais Chris a le bras dans le plâtre. Tu veux que je fasse mon bras? Vas-y, essaye, vas-y. Je sais que je peux, quoi, mais. Bonjour. Ça va? Tu choisis une dédicace? Oh, on verra plus tard. Un petit dessin. C'est vrai, ça, je pourrais revendre mon plat sur le bon coin. Calme-toi, déjà, tu pourrais le faire dédicacer à la Redbox, ce serait rigolo. Chris, cadreur, monteur émérite de la Redbox, bien sûr, s'est cassé le poignet. Oui. Très peu pratique pour manipuler les logiciels de montage. Franchement, c'est le premier truc que j'ai essayé avec mon plâtre. Je me suis dit, on va tester, ça se trouve, ça passe. Ça ne passe pas du tout. Hein. Rappelle-nous la durée de ton arrêt de travail. 42 jours. c'est très long. Ah ouais. Sur YouTube, j'existerais plus, t'as conscience de ça. Bon. Profites-en pour chercher du taf. Hein. Pendant que je bois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. D'habitude, je vous dis abonnez-vous à la chaîne. Et puis en fait, vous avez pas le temps de le faire, vous avez peur de louper une vanne. Puis ça arrête tellement vite sur ma chaîne, je veux dire, ça fuse quoi. Alors là, je vous laisse le temps. Allez-y. Hein. Ah, pas nécessaire pardon, le bruitage. Tu fais des bruitages. Ah oui, attends. J'ai apporté. Oh putain, qu'est-ce qu'il a ramené. Mais gros, c'est un violon, mais. Ouais, c'est pour que les gens ils puissent. Il manque une corde là. Ouais, bah il y en a une autre, hein. Non, mais c'est que les gens prennent attends, bien le temps. Tu sais jouer? Bah de ouf, mec. Uniquement du violon à trois cordes. J'aimerais trop jouer un jour du violon quand même. Si vous vous abonnez pas, je continue de jouer. J'aimerais bien sortir au moins un son cool, quoi. Oh, oh, oh. Vous vous abonnez pendant ce temps-là, hein, parce que sinon, vraiment, là, on se fait chier, quoi. Donc, les pires Reddit le plus drôle, c'est ça, hein? Bah oui. C'est parti pour les contre-Reddit. Quoi? Mon entrée dans le champ était improbable? Non, mais vous connaissez pas ma journée, mais là, j'étais en rendez-vous avec Julien Lepers, pour de vrai. Non, c'est vrai! Dis-leur que c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. J'étais en rendez-vous avec Julien Lepers au téléphone. Non, mais c'est fou, je suis pas ta mère. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue dans les comptes... Non. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les subreddits les plus drôles, épisode 2. Je ne comprends plus rien à cette série. Il y a les comptes Twitter les plus drôles, les comptes Instagram les plus drôles. Je crois que sur Twitter on est l'épisode 4, l'Instagram épisode 2. Pff, je sais plus. En tout cas là c'est l'épisode 2 sur Reddit. Let's go. Vous nous avez envoyé? Non, à moi, hein. Toi et t'as rien envoyé du tout. Vous m'avez envoyé vos subreddits les plus drôles, on va les regarder tout de suite. C'est parti, on est accompagné de Chris et de son plâtre. C'est un feat. Il s'intitule Black Magic Fuckery. Black Magic Fuckery. Ouais. Pour moi, Black Magic, c'est une marque de caméra déjà. Et Fuckery, bah, quand t'achètes Black Magic et tu te fais enculer, parce que c'était trop cher. Moi, les Black Magic Fuckery, c'est tous les jours. Hein. Déjà, faut comprendre le concept de ce subreddit. Le premier là, Surface Tension, t'es dessus? Ouais. Ah, mais c'est des bulles! Ah non. Ça a l'air d'être des bulles, complètement. Mais non. What? Attends, si ça c'est une bulle, c'est... What? Ok, donc je crois que le concept du compte, c'est en fait des expériences scientifiques où tu fais mais quoi, pardon? Moi je veux savoir faire ça. Ouais. En soirée, j'ai envie de faire ça des bulles avec mon crayon. Je sais que l'installation est hyper longue. J'ai un truc à vous montrer. Tu dis ça à tes potes, tu sors 1000 ingrédients, des espèces de trucs chimiques. Et voilà. Enfin, toi tu feras plus. Et voilà. Ouais, super. Allez, ça, salut. Ouais. Oh! Quoi? Il y a un décalage, on regarde pas les vidéos en même temps. C'est fou. Attends! Je suis allé au bowling il y a pas longtemps. Ouais, vraiment. Je suis une sous-merde au bowling. Pareil. Oh putain, je suis contente. Non, bah, le sport. Ah ouais, ouais, okay. Bah, on peut quand même. Est-ce que t'es le genre de personne, quand les gens proposent, hey, on se fait un petit bowling, t'es là genre, ou un cinéma? On est d'accord? Ouais, vraiment, je suis, moi j'y vais à reculons, je n'aime pas ça, d'accord? Non. En plus, ça se retourne genre. Normal, j'avais prévu. Et après, fait genre, bien sûr. Ok, le suivant. Ça, c'est incroyable, hein, vraiment, c'est ouf. Alors là, il fait quoi, un volcan? C'est ça. Ah, bah oui, c'est ça. Putain, j'avoue. Wouah! Oh mon gars! Moi, j'ai trop envie de faire ça à ma fille quand t'as dit. On peut faire un volcan avec la purée? Tiens, on fait un vrai volcan. What? Regarde, y'a un kraken qui sort. T'es pas rendu là encore? Un kraken, genre. Ah ouais! Faudrait vraiment qu'on regarde les vidéos en même temps. Mais mec, c'est quoi? Ok, mais ce compte est fou. Black Magic Fuckery, c'est bien pour commencer. Ça m'a bien plu. Nous passons au suivant. Ok, alors le deuxième, il s'agit de Desire Path. Ça veut dire le chemin de... Ah, ok, j'ai compris. What? Le concept du Reddit, il est improbable. J'ai pas compris. En gros, tu vois, il y a des gens dans la vie qui construisent des routes et des chemins pour que les gens les prennent, pour aller d'un point A à un point B. Et souvent, il y a des gens qui prennent un autre chemin, qui traversent. Ouais. Et du coup, ça crée des nouveaux chemins, créés par les gens, par le passage des gens. Et donc du coup, là, le premier, l'arrêt de bus, tu vois, genre, il y a une route à droite, une route à gauche, et il y a un petit chemin qui traverse comme ça au milieu dans la pelouse. Voilà, c'est parce que les gens ont pris l'habitude de couper. Il y a un côté poétique parce que, tu vois, oui, ouais, attends, j'essaye de meubler parce qu'il est pas ouf en vrai. L'explication du Reddit, là, dans la bio, il y a marqué « Compte dédié aux chemins que les humains préfèrent plutôt que ceux qui ont été créés par les humains. » Par exemple, on passe au suivant. Tu vois, là, par exemple, on a un clair et net chemin à travers la forêt qui a été fait par le passage de l'homme et non pas créé par l'homme. Ça, c'est les gens à force de passer voilà. Et elle est où, la poésie, du coup? Ah oui, alors...
Oh, regarde le suivant. Alors là, tu vas pas me dire que c'est pas poétique. Regarde-moi cette belle allée. Bah, je veux dire, c'est normal, quoi. C'est usé à force. 177 451 personnes qui, tous les jours, veulent voir un chemin créé naturellement par les pas des gens. Il y a une morale, c'est que faut toujours emprunter le chemin que t'as envie et pas forcément celui qu'on te dit de prendre. Oh! Et on applaudit Chris dans les commentaires. On peut pas, c'est à l'écrit. Celui-là, il est fou. Celui-là, il est pas mal. Parce que vraiment, il y a la moitié des gens qui font. C'est 50-50 en fait. Mais en fait, c'est l'effet mouton, par exemple. Moi, je trouve, c'est poétique pour le premier gars qui crée le chemin. Mais les autres, c'est des moutons. On passe au suivant. D'ailleurs, pour passer au suivant, je vais jouer un petit morceau de violon. Ah. Je commence à apprendre un peu du skill. Non, pas du tout. On en a fait deux, hein. Il en reste 28. Hidden Rooms, donc pièce cachée. Il me dit quelque chose, tu l'en avais pas déjà vu? Je sais pas, je regarde pas les vidéos. Ah, cool. Attention, le suivant, c'est quoi? Alors, il y a quand même pas une pièce cachée sous son pot de fleurs. Hein. Me dites pas ça. Mais non, il cache juste ses clés. Quoi? Quoi? Attends. Allô? C'est pas... Quoi? Attends, c'est incroyable ça. Il met ses bouteilles dans son sol. Il s'en ouvre une, hein, pour mon... Regardez, c'est des vrais. Et je peux même la boire, hein. Chérie, je vais jardiner. Ça pousse dehors, hein. Ah, moi, je bois pas une goutte d'alcool à table, hein. Attention. J'avoue que c'est vraiment stylé, franchement. Oui, tu sais que moi, là, j'ai un bouton s'abonner qui est caché là. C'est vrai, vas-y, franchement. Eh, hey, fais-toi plaisir cette fois. Oui, c'est toi, c'est pas toi qui monte. Bouge-le dans tous les sens. C'est même toi qui peux le bouger si tu veux. Attends, je te le donne. Tiens. Oh, voilà, yes. Tu peux le secouer si tu veux. Oh, bah, trop bien. Alors. Ah là, dis donc, quel plaisir. Tu vois, ah, quand oui. C'est les autres qui le font, je leur prends. Ah bon. Quand c'est les autres qui le font, c'est vachement mieux. Ouais, franchement, j'ai hâte de voir... Oh, hiding place. Il cache son donneuse dans la plomberie. Le mec appuie juste sur son mur et il s'ouvre. Moi aussi, regarde, c'est facile. Ah. Ah ouais, bah du coup, je suis subjugué. Si. Oh non. Mais non, mais gros, faut que tu trouves. I was at a music festival on Wonder Why. Je te le montre, c'est incroyable. Tu vois ça? Ouais, il y a mon micro-cravate sur l'iPad, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? On essaie des techniques. Bon, ok, Lavry, t'as l'habitude de ça? Ouais. Sauf que là, il y a un putain de festival de musique dans la troisième. Mais... C'est pas incroyable? Genre, il y a une soirée. Mais what, gros, c'est fou. Est-ce qu'on peut considérer que les gens qui vont là-dedans, c'est du linge sale? Je sais pas, mais elles sortent tout, quoi, en tout cas. Non, je pense qu'ils puent la mort, en vrai. Après, je pense qu'à partir du moment où tu vois un videur devant une machine à laver, je sais pas, je me dis qu'il y a peut-être un problème dans la soirée. Non, bah, je me dis que c'est peut-être une machine à laver réservée, tu vois, un peu VIP, quoi. C'est du coton. Minimum 10% de polyester. Ouais, je suis dans le textile, je fais des blagues. Ouais, je vois ça. Space Fox dispo dans la description, n'oublie pas. Allez. Watch people die inside. Incroyable. C'est regarder les gens mourir de l'intérieur. Donc en fait, c'est des gens vraiment, ils ont un problème dans leur vie et puis ça se voit vraiment beaucoup. Donc là, par exemple, on va regarder ce petit truc de musique. C'est parti. C'est toi qui joues du violon, hein? C'est le pianiste, il se rend compte que l'autre joue faux et du coup, il a juste envie de mourir. C'est terrifiant. Le retourné de tête, mec. Il s'est retourné vraiment, il y a un danger. Il est pas accordé, non? Oh, je sais pas. Ok, le suivant. Ok, donc il veut couper ses cheveux, du coup. Je suis pas sûr qu'elle était d'accord, c'est ça, non? Non, je sais pas, attends. Oh, il va pas de main morte, hein. Après, elle a beaucoup de cheveux, pourquoi elle pleure? Ah, elle était pas au courant, là. Ah non. Oh non, mais c'est horrible. Et lui, il rigole, il a le sourire. Il lui fait... Et voilà, un doudou. Que j'arrive à faire un truc avec, c'est horrible. C'est hyper triste. Elle s'évanouit à la fin. Alors je sais qu'on m'a déjà raté chez le coiffeur, mais j'ai pas fait non, un mais ça malaise, va, quoi. Et oh, c'est des cheveux. Bon, ça fait repousse. Chier, mais... Puis dans un mois, on en parle plus, quoi. Il se sent pas bien, mais vite fait, quand même, il sent pas les couilles un peu, le coiffeur. Non, mais moi, je fais ça à peu près tout le temps, en fait. Pendant qu'il découpait, elle a rien senti, l'autre. Elle a pas senti, oui, couche, couche, chelou, couche. Je veux dire. Il est quand même allé bien fort, quoi. Tu fais quoi? Bah après, c'est encore pire, parce que si ça arrête au milieu, elle a l'air encore plus conne. Faut finir au bout d'un moment, quand oui, t'as commencé. On a commencé, on finit. Hein. Je suis d'accord. Putain, la vache. Mais c'est le moment où on réalise que c'est ses cheveux qui tient dans sa main. Ok, je suis avec la meuf bien. Qui boit la bière. Oh. Là, elle abandonne sa vie. Elle a abandonné sa vie en un regard. Regarde, tac, tac. Oh, j'arrête, je me bats même pas. Il y a des téléphones sur la table, je m'en balance en fait. Bah, moi, ça m'est arrivé. Raconte, c'est ce moment où tu t'es cassé le bras ou pas? Non. Tu nous as pas raconté? De quoi? Ça, c'est vraiment le moment rêvé pour de que tu nous racontes comment tu Pourquoi t'es pété. Pourquoi c'est le moment rêvé? Bah, parce que t'as dû te sentir mourir de l'intérieur, non? Eh bah, même pas. Oh, aïe, aïe, aïe. Alors, on t'écoute. Je bois de l'eau comme ça, les gens peuvent savoir. Vas-y, bois de l'eau. C'est chiant, hein. Moi, c'était samedi soir. Crémaillère. Chez un pote, tout ça, tout se passe bien. Bon, il y avait un peu de jus d'orange, de coca. J'étais très fatigué, hein, vu que je dors pas beaucoup en ce moment. Coca, ils montent vite à la tête, d'accord. Ouais, d'accord. Okay. J'avais pas l'impression d'être arraché. Ah bah ça. C'est ce qu'on m'a dit après. Au moment, on décide de décaler en ville. On va sur la route et tout, et puis il y en a un qui décide de prendre une trottinette, tu vois. Je monte, je fais un premier passage, tout ça. Impeccable. Non. D'accord, dès le début. Je trébuche un peu.
Et je suis pas tombé. Donc tu persistes alors que ça sentait la merde. Je suis parti de la trottinette. Genre, je me suis rattrapé avec mes jambes, quoi. Mais ça allait, tu vois. Je remonte tout seul. En fait, il y a un truc que je savais pas, il est trottinette électrique. Bon, personne ne le savait, j'ai l'impression. C'est que quand tu t'éloignes trop du téléphone, qui a loué la trottinette. What? Elle se bloque. Non! Si, elle se bloque et elle se freine d'un coup. Du coup, elle s'est freinée d'un coup et elle s'est bloquée. Je suis passé au-dessus de la trottinette. J'ai fait un soleil, en fait. Et je suis tombé à terre. Mais c'est pas ta faute, Chris. Bah, j'ai jamais dit que c'était ma faute. Ah, bah, si t'as dit que t'avais bu du Coca-Cola. Oui, d'accord. Je suis resté à terre, genre 20-30 secondes. Et ils s'inquiétaient au loin. Ils me voyaient pas me lever. En fait, je me tapais juste une barre. J'avais vraiment pas mal, quoi. D'accord. Je rigolais juste beaucoup, quoi. Ils sont arrivés, ils m'ont dit ça va et tout. J'étais oui, mais attends. Oui. Ok. J'ai dit j'ai un peu mal au poignet. Ils m'ont dit bah viens, on va à l'hôpital et tout. J'ai dit non, regarde, j'ai pas mal. Et je secouais mon poignet regarde. Comme ça. Et vraiment dans tous les sens. En mode c'est pas cassé, regarde, tout va bien. Bon, c'était cassé. Mais à 8h, je vais aux urgences et tout. Je sors vers 11h. Ils me disent bah c'est cassé, on va plâtrer et tout. Mais c'était une bonne soirée. Ouais, c'est une bonne soirée. On continue la vidéo. Ok, alors attends. Oh, il est incroyable celui-là. T'avais combien? C'est le gosse qui, avec un bâton, il enlève un nid d'abeille, il ferme la fenêtre et la fenêtre tombe et là il fait je vais mourir. Oh, c'est ma peur ça. C'est ma peur de ouf. Et là vraiment il fait genre bah tiens c'est marrant, je vais pas m'en sortir. Mais ça c'est vraiment la tête de je vais mourir de l'intérieur. En fait c'est les gens les réalisent que c'est trop tard. Oui. What? Ok, j'ai compris le concept, il est incroyable. En gros, c'est à chaque fois une séquence assez calme, assez sympa, assez posée. Et il y a quelque chose de très brutal qui arrive. Là, par exemple, il y a une petite plage, le premier comme ça, qui est très calme, où il filme un petit animal. Et en réalité, il y a un énorme alligator qui s'apprête à bouffer le caméraman. Mais lui, il a eu trop de chance déjà. C'est dangereux la vie de cadreur, c'est quoi cette histoire? Bah, après, nous, on vit en France, là. Au maximum, on se fait agresser par un renard. What? Attends, mais c'est quoi? Le mec qui conduit le bus, il se prend un rocher dans la gueule, il continue de conduire comme si de rien n'était. C'est quoi ce pays où les rochers sont en polystyrène? Non, mais... Bon, mais, un cailloux, mais comment ça... c'est possible de survivre à ça et de continuer, genre? Surtout qu'il prend pas un coup, elle retombe après, genre dans la nuque. Mais mec, c'est fou de s'en battre les couilles à ce moment-là. What? Tu sais, j'ai l'impression en vrai, il est mort, mais c'est quoi? Son corps qui dit on prend le relais. On laisse. C'est fou! Mais tous les autres autour sont paniqués, ils ont vu leur mort passer, lui l'a fait, ça va. C'est bon, les gars, c'est un caillou. Wow, c'est pas non plus un rocher, quoi. Fuck you in particular. Ok, ça veut dire ta mère, toi, là. Toi. Enfin, toi, c'est un exemple, hein. Ouais, merci. C'est vraiment des gens qui s'en prennent plein la gueule pour rien. C'est vraiment eux qui ont été visés sans aucune raison. Comme l'accident de voiture qui est là. Attention, tu n'as rien demandé à personne, il y a une voiture qui arrive comme ça. Moi, ça me rend fou, hein. C'est ce que je me dis quand je prends la route le vendredi soir, samedi soir, tu vois. Mais je me dis, ça se trouve, il y a un con, il a bu, lui. Il s'est dit, oh, ça passe. Non, mais moi, j'évite de prendre la route quand les autres sont bourrés. 31 décembre, rentrer à pied, hein. Mais pas sur la route, hein. Vraiment coupé à travers champs, à travers des chemins que vous créez vous-même. Mesdames et messieurs, si vous êtes encore en train d'écouter ces mots, ça veut dire que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et ça, c'est fou. Je vous en remercie infiniment. Pour ceux qui sont encore là jusqu'au bout et qui n'êtes pas abonnés, ça n'a aucun sens. Là, vraiment. Ouais, d'accord. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour une prochaine. Merci Chris d'être là. On se fait coucou. On peut se tirer la main si tu veux. Oh ouais, il bouge, hein. C'est juste que bon. Ah, oui, plus moi quand même. À bientôt pour une prochaine. C'était Chris. Et puis, bah, Amissem, c'est moi en fait. Jusqu'à vida. Ouais.